Bonjour, alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel, celui de cette fois-ci pour apprendre donc à se servir de l'application que vous avez vue dans le présent pour l'utiliser avec les sorties du dimanche ou les sorties entraînement etc. Alors ce tutoriel donc il est consacré à l'utilisation du smartphone donc pour les sorties cyclo, marche ou autre mais là donc on va apprendre comment l'utiliser avec les sorties du dimanche. Le but est de rendre visible l'utilisation des parcours pour les utilisateurs non équipés de compteurs vélo avec GPS et pour éviter d'imprimer la fiche de suivi des circuits qui n'est pas toujours facile à prendre dans la poche et ainsi de suite. Pour commencer, donc, avoir installé, donc, sur le smartphone l'application que vous avez vue dans le précédent tutoriel. Et puis, donc, là, pour apprendre, il faut également, enfin, pour l'utiliser, il faut également avoir le site des coursiers suzerains dans vos favoris pour de façon à pouvoir vous connecter dessus depuis votre smartphone. Et bien sûr, avoir regardé le précédent tutoriel. Alors c'est parti. Donc première chose, ça va être d'aller voir dans le dans le blog de cyclo du CCS, enfin cyclo des coursiers suzerains. Et on va aller dans le parcours euh, les sorties du dimanche. Les sorties du dimanche, vous allez donc tomber sur cette page-là, que vous êtes habitué de voir avec tous les parcours, mois par mois, et ainsi de suite. Là, on va s'intéresser uniquement à une colonne, c'est-à-dire celle qui possède le numéro OpenRunner. Dès que là, voilà. Par exemple, donc on est début janvier, on décide de suivre le parcours... Euh, qui est donc le 48 CCS euh, qui fait 56 km. On va donc cliquer sur ce lien qui est là. Quand vous allez cliquer sur ce lien, vous allez avoir cette page qui va s'afficher sur votre application OpenRunner avec le parcours, la distance, l'altitude minimum, l'altitude du point haut et le dénivelé positif, dénivelé négatif. Le parcours... Et le profil qui s'affiche. Si vous descendez un petit peu en faisant glisser votre sur votre écran, vous allez retrouver la partie texte que l'on retrouve dans toutes les fiches de suivi qui sont également sur le blog. Donc ça, c'est pour l'instant, on est là. Et puis une fonction suivre votre parcours, mais qui pose un problème aujourd'hui chez OpenRunner. Ils sont en train de résoudre ce, le petit bug qu'il y a. Donc, dans un premier temps, vous allez sélectionner ce parcours avec le petit cœur, c'est-à-dire vous l'avez l'ajouter à vos favoris et non pas directement cliquer sur suivre. On va d'abord l'ajouter à favoris. Ensuite, vous allez aller dans mes parcours, donc en utilisant la petite fenêtre en bas. On va retrouver dans les favoris le parcours qu'on a sélectionné, le parcours 48 CCS, et là, on peut Cliquez dessus. A partir de ce moment-là qu'on va cliquer, on va voir le parcours qui va apparaître à l'écran avec tout ce que vous avez pu apprendre dans le précédent tutoriel. Et on va, on va cliquer sur « Enregistrer mon activité ». Et là, c'est parti. Vous allez tomber sur une fenêtre. Alors, je crois que c'est celle-là en premier avant celle-ci. Hein. Donc, c'est la première. Et là, on va vous demander de choisir l'activité. Donc vous allez choisir soit activité route, ce VTT, course à pied, enfin l'activité. Ici, j'en reparle pas, on en a parlé dans le précédent tutoriel. Et on va faire commencer. On va cliquer sur commencer pour démarrer. Là, on va tomber sur notre écran. Là, on ne voit pas le parcours, puisque je suis hors du parcours, moi. Donc moi, je suis situé ici. Je euh, une, mon altitude qui est indiquée. Euh, pour l'instant, j'ai rien fait du tout. Et j'ai donc commencé l'enregistrement depuis 53 secondes. Quand je vais démarrer, mon parcours va se tracer. Et au moment où je vais rejoindre le parcours sélectionné, je vais voir apparaître la ligne de, de trait et avec éventuellement les alertes qui ont été signalées sur le parcours. Quand je vais avoir terminé mon entraînement, ma durée, à ce moment-là, Qu'est-ce que je vais faire Je vais cliquer soit sur terminer. Ou alors je vais mettre en pause, c'est-à-dire en utilisant le petit symbole ici, je vais obtenir ce, cette fenêtre-là qui m'indique soit de reprendre, soit de terminer. C'est-à-dire c'est la pause, mais je peux à la limite arrêter. Je décide de m'arrêter dans quelque part, je mets en pause et quand je vais repartir, je mets reprendre et là mon enregistrement va continuer. Ou terminer. Si c'est terminé, donc là, il y a cette, cette fenêtre-là qui va s'ouvrir. Êtes-vous sûr de vouloir terminer l'enregistrement Oui, j'ai terminé. Je clique sur terminer. Ici, on va me demander le nom de mon enregistrement, si je le veux. Sinon, ça va directement prendre le texte qui est écrit, c'est-à-dire mon enregistrement là du 5 à 2019. L'activité choisie, je peux encore choisir. Si tout à l'heure, j'ai pas sélectionné la bonne, je peux changer et dire que ben, là, c'est du cyclé, il route. Je peux donner un avis sur, euh, sur ma sortie et je fais valider. Supprimer. D'accord? Voilà. Quand je vais avoir validé, mon parcours va être enregistré. Toutes mes données vont être enregistrées. Et là, je vais, on va me demander si je veux transférer mon activité. Alors soit je la garde, elle va rester dans mes parcours enregistrés sur OpenRunner. Soit je peux la transférer. Alors je peux la transférer, ben, comme j'ai dit dans le précédent tutoriel, je peux la transférer sur OpenRunner pour la partager avec d'autres ou pour garder en mémoire juste pour soi-même, ou sur Dropbox, ou sur Strava, ou sur Facebook, enfin, selon ce qu'on aura mis au départ donc, dans les paramètres. Et enfin, donc là on voit bien, donc en fonction de ce qu'on a choisi, euh, si cho là j'ai choisi par exemple de la partager sur OpenRunner, donc ça me précise bien que je peux la sélectionner soit en mode public ou en mode privé. Je choisis ce que je veux. Et voilà, et donc là, c'est terminé pour ça. Donc pas si compliqué que ça. Ça permet euh, de suivre plus facilement les parcours, d'éviter d'aller imprimer la petite feuille. Euh, même si on ne veut pas s'en servir, au moins on a, on, en sélectionnant le parcours, on aura la fiche de suivi euh, sous les yeux si on a un doute sur le parcours. Pour le, le transfert, donc c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez soit la laisser sur votre application, soit la partager sur Strava si vous avez un compte en mode public ou privé, soit la partager sur OpenRunner pareil, en mode privé public sur OpenRunner, vous avez accès à tous les parcours du CCS et les miens, faits au cours de mes balades en faisant une recherche par auteur vous tapez dans OpenRunner, gilles 72-210 et vous allez retrouver tous les parcours ça, c'est le lien pour aller directement sur OpenRunner et là, vous allez voir, vous pouvez sur le site internet d'OpenRunner, vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous voulez Un exemple d'enregistrement, vous voyez, donc ça c'est la sortie de qui a été faite avec le, les, les coursiers samedi dernier. Donc j'avais mon compteur et en plus j'avais donc je me suis j'ai utilisé en plus lors de cette sortie là donc l'application donc de, que je vous ai présentée là. Fin de l'application. Voilà, j'ai le parcours qui est tracé avec le dénivelé qu'il y a eu, la distance qu'on a faite, la moyenne, pas beaucoup, hein bon la, la fin c'était un peu dur, euh, la vitesse maxi. On retrouve toutes les, les performances et euh, comparé à ceux que j'ai faits donc avec mon compteur et ceux faits donc euh, sur Strava, j'ai exactement le même résultat, c'est exactement les mêmes données. Et on retrouve, si on met en mode plein écran, en sélectionnant le plein écran ici, on va retrouver le parcours avec les distances qu'on peut zoomer euh, éventuellement. Voilà, nous sommes au bout de ce tutoriel. Merci d'avoir euh, testé, maintenant de le tester, et puis d'apporter vos remarques en espérant que cette application sera utile à tout le monde au cyclo. Et puis, bah, essayez de l'installer, de, de voir comment ça fonctionne, et puis vous verrez, vous y prendrez goût. Et après, vous ne pourrez plus vous en passer, ne serait-ce que pour aller faire des balades dans une autre région. Sur OpenRunner, vous suffira de sélectionner la région où vous êtes et vous retrouverez plein de parcours, plein de choses intéressantes à faire. Voilà. Alors, eh ben à la prochaine fois pour un prochain tutoriel. À bientôt.